Ouais. Ce deuxième brunch électronique, c'est Audio Brunch. Je vous présente donc Jean-Michel Jarre, que vous connaissez déjà, qui va jouer d'ici quelques minutes, qui sera suivi par Soul Designer, qui est un jeune musicien belge, et puis tout sera suivi par un petit débat, ou plutôt une table ronde, où on évoquera un petit peu l'histoire de l'électronique avec Jean-Michel, avec Soul Designer, avec Ariel Pirou, moi-même et Emmanuel Vincheron, donc tout à l'heure entre 16 et 17 heures. Tout ça pour parler de cette thématique durant ces trois jours qui est consacrée aux pionniers et aux héritiers de la musique électronique. On s'est finalement amusé à inviter quelques figures depuis quelques années déjà qui ont marqué cette musique, comme hier Luc Ferrari, aujourd'hui Jean-Michel Jarre. Demain, on parlera entre autres de Jean-Jacques Perret, qui est un autre illustre pionnier parfois moins connu et qui reste à être découvert. Et Jean-Michel, pour ce concert, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose d'un petit peu différent. Quand on s'est rencontrés, l'idée c'était peut-être de proposer une autre facette de ta musique. Alors, on va parcourir aujourd'hui presque 30 ans de musique électronique. Oui, presque plus, enfin pas en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne les instruments qui sont sur scène. C'est vrai que l'idée de ces rencontres, c'est effectivement de montrer au public peut-être des aspects de la musique électronique que les gens connaissent moins. Et que, effectivement, aujourd'hui, moi, ce que j'ai préparé, en fait, c'est plusieurs pièces, enfin quatre morceaux tous inédits. Avec des instruments sur scène, un set assez minimaliste qui à la fois couvre, comme disait Jean-Yves, même plus de 30 ans, presque 100 ans au fond de l'histoire de la scène électronique, avec un instrument comme le theremin, qui est un des premiers synthés, ou un des ancêtres du synthétiseur, qui est un instrument russe des années 20,
Un synthé qui est mon premier synthé, en fait, qui était un synthé des années 60, un synthé anglais, qui s'appelle PCS3. D'ailleurs, vous pouvez noter à quel point j'ai été soigneux, parce qu'il est quand même en très bon état pour un instrument de cette époque. Et puis ici, un instrument des années 80 que j'aime bien, qui permet de faire pas mal de choses live. Vous savez que dans la musique électronique, souvent, une des difficultés de la musique électronique, c'est d'arriver à faire des performances sur scène. Ce sont des instruments qui ne sont pas toujours aussi sexy, en tout cas, que les instruments qu'on trouve dans le rock, dans le jazz ou même dans le classique. Donc, il y a un certain nombre d'instruments dont ceux-là font partie, qui sont des instruments qui sont un peu plus dédiés à la scène. Et puis, un instrument qui vient juste de sortir, donc qui est une technologie tout à fait actuelle, je dirais. Et puis, les morceaux que je vais jouer, que nous allons jouer avec Francis Rimbert, qui va me rejoindre en cours de concert, si on peut dire, Tonio Brunch, c'est en fait, ça recouvre un petit peu ce que j'ai fait. Donc il y a un premier morceau qui est un morceau que j'ai fait à l'époque où je travaillais avec Schaeffer au GRM, quand j'étais étudiant avec Schaeffer, qui date de 69. Un autre morceau qui est un morceau que j'avais fait dans le cadre de Global Techno, que Jean-Yves Leloup avait co-organisé dans le cadre de la grande expo qui était en Avignon sur le thème de la beauté, une installation vidéo. Donc ça, c'est la musique qui avait été faite pour ça. Et puis deux autres morceaux qui ont été en fait faits pour vous ici, sur lesquels j'ai travaillé ces derniers 15 jours, et qui en fait privilégient un peu le côté live analogique. Qui sont quatre morceaux qui n'ont jamais été joués ni publiés. Voilà. Alors, comme cette salle accueillait apparemment les troubadours sous Charles VII qui venaient égayer les repas, et apparemment, quand ça se passait bien, ils avaient droit à manger après. Donc, j'espère que si ça se passe bien, vous nous laisserez quelque chose à bouffer, Soul Designer et moi. Voilà. Tout à l'heure.
Thank you.
Ooh!
Merci. Thank you.
Merci.